Salut à toutes et à tous, ici Cinéa et Bibi, et on se retrouve pour la 13e partie de The Wind Waker HD, là où on s'était laissé, c'est-à-dire sous les flots. Voilà, sous les flots, dans un monde qui a repris vie, mine de rien, quand même. Elle, qui était figé, et puis une drôle de voix nous a appelé et nous demande d'aller là où il y avait l'épée de légende, donc on y emmène Tetra avec nous. On va s'y exécuter, parce que Tetra, elle a envie de voir qui est-ce qui peut utiliser la pierre à potin en plus d'elle. Vu qu'à la base, c'était quand même son amulette qu'elle avait donnée à Link pour pouvoir communiquer. Bon, alors, tu viens? Oh, t'en fous. Moi, je l'attends pas. Elle suit, hein, elle suit. Thank you.
Eh ben dis donc, quelle scène! Ça y est, on sait bel et bien que Tetra est la princesse Zelda. Et moi je suis dans mes bouquins, dans mes vieux grimoires. En fait j'ai été prendre sur mon étagère Hyrule Historia. Regardez ce magnifique baby. C'est un livre conséquent, hein, officiel Nintendo, qui vient juste de sortir en France en version française. Moi je l'ai eu en version américaine, enfin en version anglaise. Parce que c'était pas du tout sûr qu'il sorte chez nous, en fait, ce livre. Depuis le temps qu'il était sorti au Japon. Et c'est une bible pour la saga Zelda. On nous dévoile plein d'artwork de tous les jeux, des anecdotes, des trucs, des informations. Et il y a la fameuse chronologie officielle des Zelda. Et donc, je voulais être sûr, en fait, d'où se plaçait Wind Waker et ce qu'il y avait après. Je viens de me rendre compte que je peux pas parler de ce que je voulais parler parce que ce serait spoilé. Donc je vais pas en parler. Et c'est marrant quand même cette chronologie, même si j'y crois moyen quand même parce que... Enfin, je trouve qu'il y a des incohérences. Regarde, pour toi c'est quoi le deuxième Zelda? Imagine la chronologie, ça commence avec Skyward Sword. C'est l'épisode le plus ancien par rapport à la chronologie. Le deuxième pour toi ce serait quoi? Ocarina of Time. Non, c'est Minish Cap. Pourquoi Minish Cap? On n'en sait rien. Je pense qu'ils ont essayé de trouver un peu des trucs. Le deuxième, c'est Force Wars Adventure. Ah non, c'est Force Wars premier du nom. Après, c'est Ocarina of Time. Non, et après Ocarina Mask. Of Time, alors attention, ça se sépare en trois timelines. Il y a trois trucs. Alors, si le héros est vaincu, on part sur A Link to the Past, Oracle of Ages and Seasons, Link's Awakening, The Legend of Zelda, premier du nom, et on finit avec Zelda 2, quand même. Ouah, c'est tarabiscoté. Si le héros est triomphant, deux choix. Majora's Mask. L'ère de l'enfance, donc Majora's Mask, le démon Ganondorf est exécuté, Twilight Princess, et ensuite Force Wars Adventure, où on réincarne Ganondorf, et il y a une résurrection de Vaati. Vaati, c'est un des ennemis dans les Zelda. Ou alors, l'autre, c'est l'ère adulte. Ganondorf est donc scellé. Ganondorf is resurrected. Ensuite, Hyrule est scellé et ensuite enfoui sous les flots. C'est exactement ce que vient de nous expliquer Daphnes Noensen Hyrule. Ouah, t'as retenu son nom. Ah non, mais je le savais même avant de revoir la scène. Hein. Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, il a fait s'enfouir Hyrule sous l'eau pour que Ganondorf soit vaincu une bonne fois pour toutes. Malheureusement, là, par des moyens détournés, son sceau s'est brisé. Et donc, on est en plein dans Wind Waker. Et ensuite, après Wind Waker, c'est Phantom Hourglass et Spirit Track, ce qui est normal vu que ce sont les deux suites directes. Phantom Hourglass est une suite directe à Wind Waker. Hein. C'est-à-dire que c'est le même Link, c'est la même Tetra. Il n'y a que Spirit Track qui se déroule plus tard
environ 70-80 ans, parce qu'il y a quand même quelques personnages de Wind Waker qui font une apparition. Voilà, vous savez tout ou pour cette chronologie. Je vous la conseille vraiment en français parce que c'est plus simple à comprendre. Mais franchement, c'est une mine d'informations. La chronologie, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est... Voilà quoi. C'est... Pourquoi pas ? Nintendo sont sûrement contents de leur chronologie, qui serait sûrement à peu près correcte. Mais vraiment, il y a plein. Attends, je vais essayer de vous trouver des belles images. Ouais, des puis beaux pas les spoiler artworks. Sur. Les spoiler sur quoi ? Bah, non, je suis pas du tout sur Wind Waker. Enfin, c'est vraiment. C'est un gros livre, lourd, beaucoup de pages, des artworks qui rendent vraiment honneur, quoi. Par exemple, je suis sur Skyward Sword. On nous met plein de concepts de personnages, des personnages que on voit leur forme finale et toutes leurs étapes durant le développement. Des fois, ils sont méconnaissables. Par exemple, est-ce que je peux vous montrer la Zelda de Skyward Sword par toutes les étapes par lesquelles elle est passée, la pauvre. Alors, j'essaye de chercher. J'essaie plutôt de trouver là. Moi, je nourris le poisson là-dedans. Voilà. Alors, c'est quoi cette petite île ? Ah ! Je crois que c'est un de nos prochains temples. Eh hey, mon petit gars ! Quatre au nord, trois à l'est, se trouve la montagne de feu. Tu y trouveras un objet qui te donnera la force de soulever n'importe quoi sans le moindre effort. Bon. Mais malheureusement, je ne peux pas entrer dans la montagne de feu. Oui, parce qu'il faut un certain objet en fait. Parce que si j'y vais, en fait, je vais me cramer les pieds. Voilà, quoi. Vous cramez les pieds et l'île de glace, forcément, vous gelez les miches. Donc il va falloir. Ah voilà. J'ai trouvé tous les trucs de Zelda. Ah, donc c'est on peut bien. Voir qu'elle est passée par pas mal de stades. Alors je vais vous agrandir l'image, bien sûr, hein, au montage. Mais on peut voir, voilà. Alors je regarde. Ah, là, je sais zoomer en plus. Ouais, dans quel sens je suis. Voilà, donc ça c'est sa forme à peu près finale, mais on peut voir par exemple ici qu'ils sont passés par d'autres tenues, d'autres couleurs, les différents styles de cheveux qu'ils ont étudiés aussi pour Zelda, tout ça, le design final avec son petit oiseau, c'est vraiment difficile à montrer comme ça. Et en tenue de déesse, et bah vous voyez là, je sais pas, elle a des ailes, les cheveux attachés, son design final qui est à votre droite ou gauche, je ne sais même plus. Tous les styles de cheveux différents, enfin bref, et c'est qu'une page sur, je sais pas, il y en a bien 200 au moins. Ça se finit même avec le petit manga de Skyward Sword qui a été fait, regardez Link, il est tout mignon. Et donc ça fait quelques... Ah, il n'y a pas de nombre de pages là-dessus, forcément. Ouais, en gros, quelques 260 pages de Bible, donc Zelda, Hyrule Historia, qui vient tout juste de sortir en France, je vous le recommande chaudement. Voilà, donc juste pour vous montrer qu'on peut pas aller dedans. Les habitants de la mer, c'est le fameux petit poisson. Regardez, voilà, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué par la fameuse tête qu'il y a aussi sur l'île de l'Aurore. Donc voilà. Et donc on peut pas y aller. Mais que faut-il faire, Ginette ? Eh ben, Ginette, d'abord, elle va aller voir le poisson qui se trouve à l'autre temple. Mais non, ça sert à rien. Et bah alors, il faut que je trouve quelque chose alors, qui puisse me... Bah, ton avis, tu sais plus ? Bah si, c'est la flèche de glace, mais je sais pas où elle est. Ah si ! Ah okay, okay. Faut se téléporter dedans. Attendez, t'es plus du tout cadré. Ah, je me fais tirer dessus ! Reviens avec moi, vite ! Au secours ! Allez, viens avec moi ! Je me fais tirer dessus ! Si, parce qu'en plus, on y allait avant l'heure, c'est-à-dire ouais. Que... On a voulu... Alors... On a voulu griller les étapes en fait. On était allé voir une île justement qui était entourée en gros de falaises, on peut pas y accéder je par la mer. Je me rappelle plus laquelle c'est celle-là. Tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche, c'est l'île de Géminé. Oui. Et malheureusement, il y a une voix qui nous a dit tu as vécu bien des obstacles, tout ça. Mais il faut revenir voilà, après. Il faudra revenir plus tard. Tu n'es pas encore prêt. Au moins, c'est bien, ils ont pensé à l'éventualité qu'on vienne ici avant l'heure. C'est déjà ça de prix. Voilà, et là. Je vais pouvoir refaire mon plein de feu. Oui. Cool. T'as faim, toi. Elle est trop belle, celle-là. C'est ma préférée de fée. Oh, un peu correct, mais...
Et voilà une toute petite gamine. Un peu flippante quand même. On dirait un fantôme. Ouais, ça fait un peu fantôme. Avec sa petite poupée. On mange des chocobons, hein, parce que c'est le luxe. Non, par contre, je suis plus du tout cadré. Je sais pas comment j'ai cadré, là, pour cette partie. Hop. Voilà. Mais non. Oh là, elle est précoce, hein. C'est marrant, elle est une fée. Je sais pas si elle s'est présentée ni quoi, mais c'est la reine des fées, en fait. Elle l'a dit. Donc, c'est la reine des fées. Moi, je la trouve mignonne. Est-ce que son design ne vous rappelle rien de plus récent? Non. Si. Mais je sais pas quoi. Non. Si, ça me dit quelque chose. Beaucoup. La première image de Skyward Sword qu'on a vu, c'était un artwork avec Link de dos, un Link qui ressemblait beaucoup à celui d'Ocarina of Time, d'ailleurs pas du tout à celui du produit final, et Faye, qui est son acolyte. Ah bah voilà, ouais, ça fait penser à Faye. Et voilà. Bah oui, tu l'as pas dit. Mais non, mais je me rappelais plus. Son mais dès que j'avais Faye vu dans Faye, Skyward Sword, c'est l'esprit de la Master Sword, de l'épée de légende, tout ça, tout ça. Et beaucoup y ont vu un signe parce qu'elle ressemblait beaucoup à la reine des fées, son visage, sa forme de visage et tout. Alors qu'elle n'a absolument aucun lien avec. C'est confirmé, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a aucun lien entre la reine des fées. C'est marrant d'avoir une reine des fées, mais toute jeune en fait. Là tu peux faire le plein de... C'est ce que j'allais faire. Tant qu'à faire. Oui, vu que de toute façon... Alors, je préfère dans A Link Between Worlds parce que... C'est au filet à papillon que vous attrapez les fées. C'est beaucoup plus précis parce que vous n'avez pas besoin d'être sur la fée pour la choper. Comme ça, vous risquez pas de vous la foutre dessus. Non, j'ai bu de l'eau. Ah oui, je me disais aussi, oula, il y a eu un bug. T'as attrapé la fée, mais elle est encore là. Quel serait l'intérêt de prendre de l'eau? Ouais. Ah, mais c'est pas bien malin aussi. Oh, mais punaise. Heureusement qu'il y en a plein, hein, parce que sinon... Yes! Non. Oh merde! Crudy! Oh, t'as pas entendu le bruit quand t'as... Oh! Bah le problème c'est que vous avez beau être dessus, vous savez pas ce que le jeu va vous faire prendre, hein, donc... Non! Yeah! Bon c'est pas grave, t'as déjà une fée, c'est déjà pas mal. Il reste plus du tout de fée là? De toute façon, dans ce jeu, vous serez à peu près, enfin un peu mieux loti quand vous aurez 10 cœurs, je pense. En mode héroïque. Bon, bah, ça, je suis là, dans vous, le caca. Vous aurez le temps de vous trouver une fontaine de fées ou d'avoir plein de. Même le roi lion, il se fait chier. Il a lâché un bâillement. Et oui, et donc le roi d'Hyrule, en fait, c'est la. Il s'est réincarné dans le petit. Dans le petit lion rouge. J'y ai arrivé. Donc c'est pour ça qu'ils ont la même voix quand la pierre à potin a interpellé Link, ça fait. C'est la voix qu'on entend depuis le début pour le lion rouge, donc bon, c'était donné comme indice, on va dire. Par contre, je savais pas que ce serait le roi d'Hyrule. Alors, I don't know where to go. Mais en fait, le roi d'Hyrule et tout, c'est des réincarnations. Enfin, c'est... Quand on y pense, ils sont morts avec leur royaume. Donc comment ils ont fait pour réapparaître 1000 ans plus tard? 1000 ans, quand même. Ganondorf était scellé, donc je veux bien que lui, il soit encore vivant. D'une façon ou d'une autre. Qu'après il est remonté à la nage. Non, je sais pas. Autant le roi d'Hyrule, je. Oh, c'est peut-être un fantôme, hein. C'est peut-être. Vu qu'il peut se réincarner dans le roi lion et tout, peut-être que c'est un fantôme. C'est pas la première fois qu'on verrait le fantôme du roi d'Hyrule. D'ailleurs, dans Minish Cap, il y est. De toute façon, étant donné que. Il peut se téléporter, je pense que c'est un fantôme. Oui, oui, je suis con. Non, mais j'ai oublié cette scène parce que je suis allé chercher des chocobons, donc... durant la scène, donc je me souvenais plus qu'il se téléportait. Ça sert en plus à rien, le mec il aurait pu marcher, mais non, il se téléporte de 5 mètres à chaque fois. Ouais. C'est pour faire une sortie classe. Ah, il y avait un petit... Il tuait pas ? Je crois qu'il y avait un petit sous-marin. D'accord, je vais me faire tuer. Ouais, c'est trop tard. Bon, tu peux y aller rapide. Enfin, bon. C'est toi qui vois. C'est juste que ça pouvait être un quart de cœur ou un flacon, donc... Mais je ne sais pas où je vais, là. Ah, mais j'en sais rien, moi. Faut aller sur l'île, la fameuse. Ici, là, on a eu.
me semble. Non. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un coffre. C'est un coffre que je suis allé chercher. Le rouge là. Ouais. Ah ouais, ça s'indique comme ça sur la map. Ouais. Ou alors c'est un coffre que je peux avoir. Toi. Ah ouais. Ah, sur la map générale, on vous affiche avec un tout petit rond rouge en fait, là où vous avez un coffre à découvrir parce que vous avez la carte. C'est très intelligent. C'est parce plus que pratique. Ça fait chier tout le monde. D'aller avant, chercher sur chaque avant, carte. Avant, on savait pas sur quel cube. Ça montrait pas le cube en question sur lequel était le trésor. Ça vous montrait juste un endroit zoomé du carré. Et vous deviez deviner quelle île c'était. Et quelle partie de l'île. Et franchement, faire plus pète burn, je suis sûr qu'ils auraient pas réussi. Donc c'est très bien qu'on vous les affiche en temps réel sur la map. Plus besoin de décrypter, de se dire, de se taper les 50 îles pour voir un peu laquelle ressemble. Bon là, vous pouvez me taper parce que je me rappelle plus du tout où je dois aller. En plus, le poisson me l'a dit, alors vraiment... À gauche, 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 gauche. Gauche, gauche. Gauche, le bateau navire. Le non, droite, là, là, là. Ah oui, mais je fais quoi? Bah c'est le bateau, le... Stop, 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 stop. C'est le bateau, vas-y, va dedans. Fonce où tu veux. Vas-y, vas-y. Bah c'est bizarre. Je sais plus comment on l'a. Yeah. Ouais, il est là, mais s'il disparaît à chaque fois... Tu veux que j'essaie de jouer le champ du vent là? Je vous avoue que je sais plus trop comment ça marche. En plus, je suis en train de me faire attaquer par un bon, bah tant pis. Vous aurez vu en tout cas le bateau fantôme. Ah oui, vas-y, il y a une grotte. Encore une fois. Hein. Je crois qu'on était déjà venu ici aussi en plus. Et qu'on s'était dit, ah, on peut pas parce qu'il y a un gros rocher, on n'a pas les bombes. Oui, sûrement. C'est juste avant d'avoir les bombes, justement, il me semble. Ça bouge. Good evening. Good evening. Vous avez du courrier, lettre reçue. Hein. Vous avez un nouveau courrier. Oh. Ah, les enfoirés. Quoi? J'espère que c'est un quart de cœur à ce prix-là. Vas-y, accepte. Damn. Et nous, on se plaint avec nos frais de port, bah tiens. Charlutin. T'es tingle, en plus. La super carte, elle indique où se trouvent les cartes et les fragments de la Triforce. Ah, Sahel, j'espère que tu mettras la main sur ces cartes dont je suis fou. C'est par ici à localiser précisément le dernier fragment. J'ai l'impression qu'il change de place toutes les nuits. Il est dans le navire hanté. Tingle! Vous trouvez les grandes fées. Oh ouais! Ah ouais, non, mais là, c'est une carte complètement pétée. Alors, elle n'était pas, bien sûr, dans la version originale. Tout ce dialogue et tout, c'est nouveau. Un nouveau. Donc c'est Tingle qui vous offre la super carte qui vous montre et les grandes fées. Qui me l'offre à 201 rubis hein, quand même. Ouais, bah oui mais bon. Alors par contre elle est activée. Malheureusement vous pouvez pas la voir. Et on voit les morceaux de Triforce. On voit le... Ouais c'est dans le bateau fantôme. Bah il est là le bateau, regarde. Mais il est en fond. Techniquement moi je peux aller lui chanter le chant du vent et peut-être que ça peut marcher. Hein, parce que c'est ça ce qu'il va faut. Faire quoi? Bah c'est le chant qu'il faut chanter à chaque fois pour avoir les Triforce. Donc je sais pas moi. Oh non, 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 c'est pas ça. Non, je sais plus du tout le bateau hanté, comment on l'a. Ce qui est con, parce que c'est chiant de tomber dessus, quoi, donc... LOL. Ah. Non, mais oui, hein. Mais Z est reposé. C'est bon. Ah non, je t'indiquais juste. Parce qu'elle a un problème avec les bombes, de toute façon. Non, mais j'ai un problème avec tous les... Je dis ça, mais je viens de monter une partie de Link Between Worlds où, pareil, les bombes, j'en pose toujours une alors que je vais utiliser l'autre objet que j'ai assigné à l'autre touche. C'est marrant, on dirait un donjon, en fait, limite. Mais que dois-je faire? Oh non! Viens oh, là. Il suffit de leur mettre un coup. Viens là, Coco. Ah oui, quand mais... même, en plus, c'était le premier... Ah, oh, Kéké. Voilà, vas-y prends... Non, 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 on va voir l'autre, parce que sinon il va t'embêter. Zoom l'autre, parce que là tu te prends la tête. Enfin, pas zoom, mais... Oh non, il a bugué. Non, non, vas-y, reprends-le. Ouais. Putain. Là, tu as tué. I know. There is another. Ouais, par contre, il repop, hein, donc le tuer, c'est bien. Il arrive! Yeah! Oui, j'allais dire, il y a du chemin parcouru quand même. Oh! Depuis le premier donjon, hein, c'était le premier où il y avait ces ennemis-là. Je casse toujours, mais ça sert à rien. Alors,
Oh non, me dis pas qu'il va me manquer quelque chose. Ah bah non, je l'ai, je suis conne. Tu veux taper une glace? Bah, je sais pas. Tu veux faire quoi avec ça? Bah, je vais m'en mettre de la glace, je sais pas. On va voir déjà là-bas. Alors, tu vas pas glisser si tu vas sur les côtés. Enfin, peut-être si c'est trop pentu. Un interrupteur. J'y vais tout doucement jusqu'au bout et puis... Et puis au bout, vas-y que je mets le stick à fond parce que... Je craque. Allez, en courant, en courant, en courant, en courant. Ah, si, je glisse, glisse pas. Eh, j'ai pas 50 000 fées, hein. Bon, ça va, le feu, ça fait pas trop mal, mais... Le feu, bah, ça non, mais... brûle. Au lieu de faire des à-coups parce que ça fait partir n'importe où, là, tout... juste un tout petit peu, mais tout le temps. Vas-y, test. Voilà. Comme ça. Vitesse de pas. Hop. Comme ça, tu peux bien contrôler où tu vas. C'est fluide. Pousse pas plus. Toujours. Non, continue de marcher. Marche. Non mais... T'inquiète, il va pas faire un saut de 10 mètres non plus. Par contre, il va falloir soigner. Très drôle. Donc... Vas-y, sors tranquillou. Ouais. Ou bouge-toi les fesses. Ça va parce que là, je pense, oui, mais là, je pense que ça sert mieux. Chance. Mais punaise! Attention, il y a de la plateforme, les gens. Ça rigole plus. Alors, mais moi, dès qu'il y a de la plateforme. Alors, vas-y, mais là, je pense que. Il me dirait, j'entends pas de tic-tac, hein. Donc, peut-être que s'il faut, c'est complètement défait, le truc. Je sais pas ce que t'as avec cette attaque. T'es pas adapté à tous les monstres. Ah, par contre, faut leur. Attends, je sais plus ce qu'il faut faire. Mais... Bah, faut leur péter la rondelle. Là. Bah, tente un, enfin, tente les deux, puis tu verras bien. Ah non, je crois savoir. Fallait peut-être les faire rouler dans les flammes. Là. Ouais, dans chaque flamme, en fait, il y a un trou. Et dans chaque trou, il y a un interrupteur. Attends, laisse-le. Oh, oh non, la boulette. Je sais pas, non mais je sais pas pourquoi il est allé aussi loin, parce que d'habitude il faut pas... bah recule-toi parce que sinon il va repartir droit dedans. Mais... Ah ouais, mais quoi, te recule. Bon allez, viens toi. Plus proche que de toi. Coucou. Voilà, avance. Voilà, jette-le dedans. On verra bien si ça peut. Eh, panier. Michael Jordan a qu'à bien se tenir. Ne pousse pas plus. Je short. Là, tu vas le mettre dans le premier. Je pense que ça va éteindre le premier. Trop loin. Ah, oh, bah non, ouais. Peut-être bien, non? Non. Ah, oh, bah pourtant, ça allait dans le deuxième. Non, mais j'essaie de pas le pousser. Je crois pas. Je crois même pas que tu puisses le pousser. C'est trop bien mis. Ah, oh, mais t'es encore allé trop loin. Bon, viens là, toi. Eh bah dis donc, faut faire du Michael Jordan pour jouer à ce jeu. Bah le problème là, c'est qu'ils se sont mis tous au mauvais endroit quoi. T'inquiète, tu peux pas les pousser, je pense. Je vais faire pas trop vite. Hein. Voilà, mets-toi bien. Pas trop vite. On dirait que tu voulais t'en débarrasser. Mais non, mais je voulais le mettre dedans. Hein, mais... Bon, vas-y, tombe. Ah, avec un peu de chance. Ah, hein. Il aurait pu se mettre dedans, quoi. Oh, je vais passer une demi-heure là, là-dessus. Il va retomber. Oh, tu peux pas pousser. Je suis dégoûtée, il aurait pu aller dedans. Ça vous dit si je passe une demi-heure là-dessus? Ça vous dit un joker héroïque? Tu veux jouer? Oh, ça a tué l'autre. Bah au moins comme ça, t'en auras plus qu'un, alors prends-le. Mets-toi bien devant, ne le jette pas à l'arrache en courant, place bien la caméra. Hey, j'étais bien placé. Voilà. Ah oui, mais en fait le premier, voilà, c'était même pas un ah, trou. Ah bah d'accord. C'est pour ça. Aïe, toi, oh. D'où tu m'attaques pendant que j'ai les yeux fermés. Bon, quand même. C'est pas une corde.
Ouais. Un quart de cœur. Plus que deux et vous en aurez deux. Non, plus que deux et vous aurez un cœur, mais c'est Captain pas... Obvious. Plus que deux et un nouveau cœur. Ça, c'est un des rares quarts de cœur qui sont pas à voir dans l'eau. Enfin, non, il y en a. Mais la majorité sont dans l'eau, moi, ça me saoule. C'est pour ça voilà. que j'ai toujours fini Wind Waker avec 11 ou 12 cœurs maximum. Et peut-être 13 quand j'ai eu de l'ambition. Bon, bah, ça fait un quart de cœur en plus, oui, hein. Oui, voilà, c'est pour un... Un mini donjon. Sans boss. Enfin, un mini donjon, c'est plutôt une salle de donjon, mais... Alors... Ah, il y a encore le bateau là-bas, hein, je crois. Ah ouais? Bah, retourne-y, c'est bizarre. Normalement, il se montre que genre les soirs de pleine lune ou des conneries comme ça, mais faut bien réussir à aller dedans quand même. Bon, je trouve pas mon lion. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je lui demande? Oh, oh, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ouais. Bon, il regardait pas du tout le bateau, lui. Si, si, je pense. Comment y aller? Est-ce que je l'attaque avec des bombes? Ah, bah, je vois même plus où il est, tiens. Ah, si. S'il est là-bas. Vas-y, fonce. Je pense pas que ce soit avec des bombes. Enfin, essaye, hein. Mais juste. Avec la musique. Ouais, mais là, tu pars à l'ouest. Mais attends, mais j'essaye de me remettre des trucs parce que je vois que dalle, sinon. Voilà. En gros, c'est pas... Faut faire un petit truc avant. J'aimais beaucoup cette île, je la trouvais graphiquement sympa avec le volcan, le jet de lave et tout. Yeah. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on retient pas forcément un volcan qu'avec une petite flèche de glace, hein. Normalement, on est timé. T'es timé, vous avez 5 minutes pour faire tout le tour. J'aurais dû me rapprocher plus. Pour aller dedans, donc B pour s'arrêter. Gravir, aller dedans, faire ce qu'il vous demande, prendre l'objet, se barrer vite. Parce que sinon, l'île reprend ses droits. Quoique je me demande si une fois qu'on a le trésor, en fait, l'île reste pas comme ça à vie. Mais à confirmer. Allez, je vais avoir un oiseau qui va m'embêter. Ah, pourquoi les oiseaux ils font un bruit de chèvre un peu malade? Non! Je l'ai vu venir ça! J'ai sauté! Le même problème que Mario 3D World. J'arrive pas à percevoir les distances, c'est comme ça. Non, 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 c'est que tu t'orientes pas le stick dans la bonne direction par rapport au chemin. J'ai remarqué ça, j'ai monté plusieurs Mario 3D World. Il y a un truc tout droit comme ça. T'auras du mal en fait à pencher le stick dans la bonne direction. Est-ce c'est que tu as ça. Eu un traumatisme dans ton enfance? Est-ce oh, que tu commence veux en pas parler à me psychanalyser. Est-ce que tu veux en parler, s'il te plaît? Est-ce que c'est Sonic? Est-ce oui, que c'est Sonic. C'est les stages dans l'eau. Fuck. Oh non, je me fais tirer dessus en plus, mais comment je fais? Ça a commencé à devenir tendu là, au niveau du temps. Tant pis, je me ferai cramer. Droite. Okay. Mais là, quand il saute, il peut pas sauter tranquillement. Et l'autre qui en plus, eux qui disent tiens, c'est rigolo. Regarde, un truc qui bouge sur l'île. Vas-y, pète-lui la gueule. C'est au premier, en fait, ils ont fait un duel, les bateaux. Ils se sont dit ouais, le premier qui a le petit machin vert là. Voilà, attends, par contre. Malheureusement, c'est le genre de situation où vous avez pas trop le temps d'attendre. Bon, bah, vas-y, hein, je vais pas ce qu'il veut pas. Et là, il va venir m'attaquer ouais. Juste quand je vais être là. Il y a des chances. Et voilà. Et ah quoi que non. Pourtant c'était le bruit de l'ennemi qui vous voit hein, mais. Et là je ne saute pas. Penche bien la caméra, te stresse pas à cause du temps de toute façon parce que si tu tombes ce sera perdu donc. T'en perds quelques secondes. Bon bah au moins j'ai sauté dedans. Link il aime pas les volcans donc il tape. Ah les coquines. Salut salut. Où dois-je faire? Où dois-je aller? Non, par là, tu peux pas revenir. Ah, non, non, non. Parle. J'espère que le temps est bloqué. Oui. Ni la force de le soulever, ni de le briser. Tu dois trouver un objet de force. Ah! Pouvoir se trouver quelque part. Par à sa recherche. Bah, c'est pas mon. Non, 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 le temps tourne. C'est un objet que t'auras ici. D'accord. Pour l'instant.
de la bonne plateforme. Oh, non, ah, ouais. Je l'ai regardé. Bon, normalement, le temps est quand même... Est quand même large, hein, c'est accessible à des enfants. Elle a réussi à se planter deux fois dans, dans l'ascension du volcan, et pourtant, il reste encore de bonnes minutes, même si là, bon... ça commence à devenir le moment où faut pas perdre plus de temps que ça. Mais putain, mais poussez-vous si t'as un problème avec eux. Allez, faut se dépêcher, allez. Mais j'ai peur qu'il tombe en fait, le machin, la plateforme. Le problème aussi, c'est qu'elle a une capacité à se mettre à stresser, donc à faire un peu n'importe quoi dès qu'il y a un peu de tension. Pourquoi tu vas me dire que t'es zen dans toutes les situations? Non, mais bah, dans le jeu vidéo, je me stresse pas au point. En fait, de... c'est que je veux me changer ma direction, mais comme. Mais voilà, ah ouais, mais ça, je le savais! J'ai eu peur en plus que le truc plonge. Putain, ça m'énerve. C'est con en plus. Mais ça veut dire qu'il faut que je sorte mon arc et que je l'ai tué. Non, ça. T'as pas vraiment le temps. Bah oui, c'est ce que je me dis. Vas-y, essaye de one shot. Voilà. Et après, faut taper ces deux trucs. Faut les tuer. Vas-y, va le voir. Attends. Ok. Ah, l'autre qui vous ignore, tu sais, genre. Mais pourquoi ça l'a pas fait, le A? Non. Non. C'est bon, 56 secondes. Normalement, le coffre se met, on est bon. Vous avez entendu toute la tension qui tombe là, genre croc. Et dans... Non, moi je vais m'énerver, mais je vais pas me stresser. Au fond, ça fait un peu le même effet, hein, s'énerver, c'est-à-dire que vous faites un peu en mode bourrin le truc, et forcément quand vous faites du bourrin, ça. Ah non, vous avez vu l'île, ça y est, il n'y a plus de truc. Et là, attention à la force de ces petits bras. Les têtes de l'île de Pâques n'ont plus de secret pour Link, même si, bon, il peut pas courir un marathon avec non plus, hein. Vous avez bien vu. Et voilà. Et ça va nous permettre, bah, sur l'île de l'Aurore, je traverse une chauve-souris. Oh, Sugoi. Voilà. Et on a donc le premier objet. On va faire le second, sur l'île de glace. Ouais. Qui était, si je ne m'abuse, une case en haut, quatre cases à l'ouest. C'est pas ça qu'il avait dit la première fois, le bonhomme. Maybe. Oh yeah. Ça aurait été beau. Donc, regardons notre carte. 1, 2, 3. Peut-être par là ou... Attends. Non. Peut-être par là, là. Non, faut... c'était 1, je pense ici. D'accord, bon bah j'y vais. Ah, ah voilà, c'est ça. Avec toujours des mecs pour vous bombarder, hein, parce que c'est ça qui est drôle. Ouh, pas trop près. Vas-y. Ok, attends, tu vas pas te faire geler. Bien placé. Le blizzard. Ok, j'ai cru que j'avais bidé. Ah, plus de blizzard, mais pareil, toujours 5 minutes pour y aller. Oh, mais là, un petit coup de boost. Hein. Nous perdons point de temps. Avec des coffres pour vous distraire et tout, mais on s'en fout des coffres. Voilà, fonce et fais un retour arrière violent. Voilà, bim. Et en plus, donc là, ce sera de la surface glissante, bien sûr. Can I jump? Attends, change la caméra parce que tu verras déjà un peu mieux où t'es. En plus, le petit bruit de chrono là est bien stressant. Ah oui, j'avais même pas entendu. J'avais pas fait gaffe. En plus, vous savez à quel point j'adore la plateforme. En plus, là, c'est génial parce qu'on peut tomber et tout. Trop génial. Fuck. Voilà, alors là, pareil, faut faire gaffe. Le mieux, c'est quand on tombe dans l'eau juste à côté. À la fin, là, en sautant sur les plateformes, les gens de petits icebergs. Si je tombe, je te laisse faire. Je suis désolé, je prends mon temps, mais... Vas-y. J'ai pas envie de tomber.
Ça glisse, mais c'est pas non plus... Enfin, vous faites pas 20 mètres, quoi. Voilà, place bien la caméra en haut, comme ça tu sauras à peu près. Attends le dernier moment. De toute façon, il va pas repartir tout de suite. Voilà. Ah si. Gotcha. Non, non. Ok, là. Et là, j'ai plus qu'à sauter sur la tête, c'est voilà. Ça. Yeah, ouais, one shot. Coup, alors que le volcan était bien plus facile. C'est parce que je me suis exercé entre temps. Le volcan, c'était ma petite mise en main. Bon, 3 minutes pour faire le truc, ça devrait aller. Alors, I can see anything. C'est des toboggans en plus. I can see anything. Oui. Faut bien que Link s'amuse aussi, hein, faire un peu de toboggan. Alors, je te conseille, voilà, de te débarrasser. Ouais. Oh, oh l'autre, comment il a fauché. Oh la catastrophe. Au secours. Mais non, non, mais je veux me tourner. Je vois rien. Je ne sais pas où aller. Je suis perdu. Il y a pas une non, une non, échelle. Mais faut reprendre à partir de certaine. Je vois rien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous, mais... Oh non, oh non, je vais me noyer. Sonic, non. Oh mais là, tu meurs pas. Je l'avais déjà. Je crois avoir vu. Je ne vois rien. Au secours, je ne vois rien. Là, ça va être tendu. Hein. Stop toi. Je suis... Ah. Je sais que ça va être tendu, mais c'est pas la peine. Bah, j'ai rien dit. Bah, si, t'as dit là, ça va être tendu. Ah oui. Oh, bah, je l'ai dit il y a 20 secondes, attends. Il y en a pas un autre. Non, non, faut monter. Ah non, tu vas pas en prendre un autre juste pour faire ça. Oh là 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 là. Si je rate là, c'est vraiment la dèche. Vous allez me détester. Ah mais tout ça à cause d'une chauve-souris à la noix. Je suis dégoûtée. Il y en a d'autres. À qui le tour? Bah là, t'as pas trop le temps de demander le numéro complémentaire et compagnie. Hein, donc, advienne que pourra, hein, fais ton dernier jet et puis... Wouah, mais... Eh bon. Il est plus simple par contre, celui-là. Et juste c'est vrai, la chauve-souris, bon, je pense qu'il y a eu un petit truc de collision, quoi. Elle est pas censée vous bumper comme ça. Mmh. Et bottes de plomb. Et donc voilà, comme ça, il peut y avoir un gros vent dans votre tête. Et ben, vous pourrez quand même le traverser grâce aux bottes de plomb. Par où tu t'en vas? Mais non, mais je regarde s'il y a pas quelque chose. Ah ok. I'm curious. Bon. D'ailleurs, vous pouvez en faire les frais juste ici. Ils vous font à chaque fois le petit passage comme l'autre, vous devez soulever le rocher pour bien que vous compreniez. On va se quitter là-dessus, on vous remercie d'avoir regardé cette 13ème partie de The Wind Waker HD dans lequel on a eu les bottes de plomb et le bracelet de force, les deux bracelets de force pour pouvoir soulever des trucs super lourds. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter surtout, à liker cette vidéo. Fait Jones, à liker. À liker. À vous abonner à notre Twitch pour les lives et on se retrouve, quant à nous, pour la prochaine partie de notre aventure. Salut !